Ça va très bien? Oui, ça va encore. Un peu. Ça diminue. Voilà. Oui, oui. Si on est là, c'est que ça va pas très très bien. Ça va un peu. Ça va pas du tout après, on est carré.
Bienvenue à Sainte-Marie-Villeneuve de Maudienne, dispensaire de santé catholique. Le dispensaire privé catholique de Maudienne a été créé en 1959. Et depuis, nos activités sont au service de la population. Donc là, vous voyez Sœur Henri, qui est une des pionnières du dispensaire, qui est connue dans toute la région. Elle a beaucoup travaillé pour le développement de la promotion de la santé. Donc, elle a travaillé longtemps avec Marie-Pierre, qui est là depuis 1975. Je suis arrivée en octobre 1975. Le 18 octobre. 1975. Au seuil de Saint-Domingue. Voilà, une des pionnières aussi. Ça, c'est sûr. Donc, Marie-Pierre s'occupe de l'accueil des malades. Elle s'occupe aussi de la prise des constantes, c'est-à-dire du poids, de la taille, de la température. Voilà. Donc là, nous sommes dans la petite pharmacie. Donc Pierre est là depuis le mois d'août. Qui donne les médicaments? Pierre. Et comment ils viennent là? Comment ils arrivent là? Comment ils arrivent là? Oui. De la grande pharmacie. Donc nous faisons nos commandes au niveau de l'association des pharmacies catholiques tous les trimestres. Voilà, donc il y a beaucoup de ruptures de médicaments parce que la pharmacie nationale n'a pas forcément les médicaments dont on a besoin. Et depuis 2 ans, nous n'avons plus le droit de nous approvisionner au niveau de la Hollande, donc ce qui cause beaucoup de problèmes au niveau de la prise en charge. Parce qu'on n'a pas les médicaments, pas au bon moment, pas forcément. Mais on se débrouille. Quelles sont les pathologies que vous soignez le plus souvent? Le plus souvent, il y a beaucoup de cas de diarrhée, surtout pour les enfants, beaucoup d'infections respiratoires, beaucoup de problèmes cutanés. Donc, il y a les brûlures, il y a les plaies, il y a les boutons infectés, il y a de la varicelle, il y a aussi beaucoup d'hypertension. Et puis, actuellement, il y a le palud qui réapparaît avec la fin de l'hivernage. Bon, nous faisons des consultations générales, donc nous voyons tout type de pathologie, mais principalement ces trois. Voilà. Vous faites de la prévention? De la prévention, oui. Donc il y a la vaccination contre la poliomyélite, vaccination contre la fièvre jaune, la rubéole, la rougeole, le pneumocoque aussi qui est introduit depuis à peu près 1 an. Et l'hépatite aussi. Ah oui, hépatite B. Ah oui. Et la diphtérie, c'est un vaccin. Ah oui. Comment viennent les patients au dispensaire? Les patients, donc au niveau du dispensaire, nous accueillons tout type de patients, de toute religion, de tout âge. Donc il y a des patients qui viennent du village, donc eux ils viennent à pied. Il y en a qui viennent des villages environnants.
Puis du Singayen, ça fait à peu près plus de. On va dire plus de. Ça fait 15 km, 20 km. Il y en a qui viennent de Bourg, ça fait 25 km aussi. Donc en voiture ou en charrette. Et c'est dans les villages un peu reculés. Donc c'est les charrettes qui les amènent. Donc des fois ça retarde aussi la prise en charge. Quelle est la période la plus chargée? Est-ce qu'il y a une période dans l'année? Oh oui, l'hivernage. C'est la période du mois de, on va dire, maintenant c'est juillet puisque l'hivernage est décalé, à novembre. Hein. Mm-hmm. Et combien vous accueillez de patients? Là actuellement nous pouvons aller jusqu'à 50 en moyenne. Mm-hmm. Par jour. Des fois ça peut dépasser, ça peut être un peu mal. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup d'affluence. Et les registres sont envoyés à l'État ou... Chaque mois nous avons les statistiques à envoyer au niveau du centre de santé, du district. Okay. Et le district envoie à la région médicale et la région médicale au ministère de la Santé. Et, voilà, voilà. Et les personnes donnent une contribution, oui, pour la consultation. Mais bon, il y a le ticket qui est à 500 francs, moins d'un euro. Mm-hmm. Et puis après, comme nous achetons les médicaments, on a un prix de cession pour pouvoir en racheter après. Mais il y a des cas sociaux, les personnes qui n'ont pas les moyens de payer. Donc on a des sous forme de... Les médicaments sont donnés et les tickets aussi. Il y a des tickets gratuits. Et des médicaments gratuits. Mmh. Donc nous voyons selon les besoins, selon les cas aussi, pour que tout le monde puisse être pris en charge. Le personnel est rémunéré? Oui. Donc nous avons 4 personnels, c'est vrai, hein? 4. Marie-Pierre qui est au niveau des consentes et de la paix. Rita qui est au laboratoire et en consultation si besoin. Emmanuel Ndiaye, qu'on va voir tout à l'heure, qui est au niveau des pansements. Et il y a Pierre Ndiaye, qui s'occupe de la pharmacie. Et les sœurs. Et les sœurs ne sont pas rémunérées. Et donc là, nous avons son mari Gisèle, qui est novice de deuxième année, en stage parmi nous depuis une semaine environ. Dans sa première semaine. Donc elle restera avec nous jusqu'au mois d'avril. Donc 6 mois de stage. Voilà. Nous sommes très heureuses de l'accueillir. Vous avez un médecin qui vient? Oui. Donc, actuellement il est en congé, il n'est pas rentré encore, mais nous espérons qu'il revienne pour le mois de novembre. Donc, il vient une fois par semaine, le vendredi matin. Mm-hmm. Donc, c'est un médecin français à la retraite qui vient nous appuyer. Donc, il est bien apprécié aussi. Et pour la prise en charge de certaines pathologies, surtout cardiaques, des pathologies qui dépassent la compétence infirmière. Donc il est vraiment le bienvenu et efficace. Il nous aide. Et il est content de le faire. Et si vous ne pouvez pas prendre en charge un patient, qu'est-ce que vous faites? On réfère. On réfère où? Donc c'est-à-dire qu'on les envoie sur Joal. Donc Joal, c'est le centre de santé. On dépend de Joal. Donc, l'hôpital? On dit centre de santé, c'est pas vraiment hôpital, mais c'est le district sanitaire. Quelles sont les qualités nécessaires pour bien soigner? Il faut l'accueil d'abord. Et je pense que c'est ce qui motive les patients à venir. Parce qu'il y a certains qui viennent de Joal et plus de Fadjou. Il y a des postes de santé là-bas. Et suffisamment aussi viennent du village. Pourtant, il y a un autre poste de santé. Parce que chacun se trouve bien accueilli au centre des sœurs. Donc, Emmanuel Ndiaye, qui s'occupe de la salle des pansements. Voilà. Manu est là aussi depuis très longtemps. Manu, depuis quelle année?
75. Depuis 75 aussi. Ah, quand je suis arrivée en 75, j'ai trouvé le petit Manon comme ce petit-là. Ah, il était bien avant moi. Waouh! Dis donc, hein? Donc, Manon fait partie des piliers aussi. Donc, il fait très bien les pansements. Tous les patients pris en charge sont guéris. Donc, des fois, il a des grands brûlés. Des fois des abcès, des fois des ulcères. Et des fois bon, des plaies post-traumatiques. Qu'est-ce que vous faites comme examen? Ici, on fait des examens de sang. Des examens des urines de CBI. On fait le taux d'hémoglobine. On fait le BV, le CRP, le PASLO. On fait le test DME. On fait l'antigène HPS. On fait le groupe sanguin, le virus. La glycémie. La glycémie. VIH et le VIH aussi, les tests de grossesse. Et le matériel, qu'est-ce que vous avez comme matériel? On a deux microscopes qui sont fonctionnels. On a un centre centrifugeuse, un rayon cosmique et un rotateur. D'accord. On a des appareils à hémoglobine, un appareil à glycémie. Ça, c'est des réactifs pour faire la coloration. Et vous faites des transfusions de sang ici? Non. À l'hôpital. Mais s'ils ont le groupe, ça permet de transfuser directement au lieu de faire encore la recherche avant de pouvoir transfuser. Donc systématiquement. Au niveau de la prise en charge. Systématiquement, toute femme enceinte. Toute femme enceinte, c'est un bilan obligatoire. Ah, d'accord. Mm-hmm. Et comment vous avez pu financer ce matériel? Le matériel, donc, il y a eu une aide de Miséréor par le biais de l'association des postes catholiques du Sénégal. Donc, ils nous ont aidé et nous avons participé. Donc là, nous avons la salle de repos, la salle de surveillance. Donc, c'est-à-dire, si nous avons des patients qui sont fatigués, ils viennent ici. S'il y a aussi des patients qui ont besoin d'injection, ils viennent ici. Et vous avez un projet pour améliorer le... Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la catastrophe. Tous les ans, tous les deux ans, on est obligé de faire des travaux parce qu'il y a des fissures. Le terrain est très mouvant, donc c'est très embêtant. Il y a une quinzaine de jours, nous avons accueilli en catastrophe un petit de 9 ans. Donc il est en convulsion, léthargie complète. Donc
quand j'ai fait le test de diagnostic rapide du palu, c'était positif. Donc, palu grave. J'ai pris la voiture de la communauté pour l'envoyer à la pédiatrie de Joal. Mais malheureusement, l'enfant est décédé. Des suites de l'oropalu. Donc, c'était très difficile parce que l'enfant était malade il y a 3 jours, mais avec la fête de la Tabaski, les parents sont restés à la maison. Qu'est-ce que c'est la Tabaski? Un village environnant, à 3-4 km d'ici. L'enfant avait de la fièvre avec des céphalées, mais les parents n'ont pas bougé. La Tabaski, c'est la fête musulmane du mouton, comme on dit d'habitude. Donc, ils sont restés à la maison. La maman n'avait pas les moyens de ce déplacement. Elle a fait appeler le papa qui était au troupeau. Donc le papa n'a pas pu venir. Et finalement, quand il a vu que l'enfant convulsait, c'est là qu'elle s'est mise à crier. Et c'est les voisins qui ont pris une charrette pour l'aider à amener l'enfant. Mais c'était trop tard, malheureusement. Voilà, donc ça fait beaucoup de... C'est triste parce qu'il y a le traitement du palu qui est gratuit, donc pris à temps, ce serait une vie de sauver. Donc, j'en ai profité pour faire la sensibilisation encore. On a appuyé auprès des parents pour qu'ils se lèvent à temps pour amener les enfants aux différents postes de santé. Qu'ils aient aussi du paracétamol à la maison en cas de fièvre, pour éviter les convulsions et les fièvres à 40-41. Là aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence d'avoir un nouveau cycle pour la construction du dispensaire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tous les ans ou tous les 2 ans, il faut faire des travaux. Parce que le terrain est très mouvant et c'est très coûteux, c'est des millions. Et en plus de cela, comme le dispensaire est là depuis très longtemps, les locaux ne sont pas suffisants. On n'est pas aux normes par rapport à ce qui est demandé par le ministère de la Santé. Donc, il y a des salles qui manquent. Et il y a aussi la vétusté au niveau des salles aussi. Par exemple, la salle de consultation. À part la table et le bureau, on ne peut pas mettre autre chose. Donc, c'est vraiment urgent pour nous d'avoir un nouveau dispensaire aux normes. Et puis pour le bien-être des patients, pour une meilleure prise en charge aussi. Alors, nous remercions tous les bienfaiteurs, toutes les bonnes volontés qui sont prêts à nous appuyer, à nous soutenir pour la réalisation de ce projet. Merci beaucoup, je remercie tout le monde. Merci.